La Gemara nous dit dans Rosh Hashanah qu'il sert à lever Hachem de qui sert à Din, mais le Shiv auto qui sert à Hamim. Alors voilà, il faut comprendre le mana parce que tout doit être compris alpi derech Adam. On peut pas parler de choses qui sont les mana mais sagot Adam. Faut qu'on puisse comprendre les mana, c'est comment ça marche. Alors, imaginez-vous, j'imagine la scène. J'ai mélangé un juge dans le pénal. On est en train de faire maintenant un jugement pénal, oui. Le juge, il est en train de s'asseoir sur sa chaise, là, on est en train de faire le jugement pénal, vous voulez. Maintenant, moi, je sors une petite trompette de mon fils, comme ça. Alors, ma corne se lève, hop, je dis enigma. C'est stupide, c'est une blague. Alors, là, nous, on veut comprendre, parce que ça paraît être une blague. Il faut qu'on donne une explication à ça. Alors, là, ils viennent, les mfarshim, ils expliquent comme ça. Machal et ma d'avoir domé. Zedomé, les melech. Ça ressemble à un roi, que dans son royaume, ce roi, a demandé à tous ces sages qu'il veut, il veut un livre de Hukim et Mishpatim. Il veut qu'il y ait des lois claires, nettes, comme ça, que ce ne soit pas à l'anarchie. Donc, tout de suite, dardard, toute l'équipe s'est mise au travail et a commencé à mettre en place des Hukim et Mishpatim qu'ils ont exposés au roi. Le roi a validé, impeccable, c'est ce qu'il veut. On punit le voleur, on punit ça, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Donc, tout était parfait. Donc, ça lui donnait pitom l'impression d'avoir un royaume mamache, comment dire. Bien respecté avec des lois et tout, avec un cédère comme il faut. Parfait. Et donc, il a demandé le roi qu'il y ait dans chaque contrée, dans chaque endroit, dans chaque ville, qu'il y ait un beddin qui va représenter la justice du roi de ses hukim et mishpatim et qui va entendre qu'il y ait des jugements, qu'il y ait des punitions même, qu'on mette en action ces gens-là. Très bien, impeccable. Bon, ça a démarré. Et pitom, première affaire qui a éclaté dans un village là-bas, où un bonhomme a fait une faute. Tout de suite à la Macom, plainte, justice, on a commencé à faire le jugement, et le juge à la Macom, il condamne le bonhomme. Bien sûr, les gens ne sont pas habitués encore à ça. Il arrive le bonhomme en train de supplier le juge, Terahem Allah, Terahem, je ne suis pas le Mishpara, je suis une famille, j'ai des enfants, Niani, Vrolé, pardonne-moi. Alors il a dit, attends, Rabibi, ça c'est avant les Chukim Mishpatim, alors on s'arrangeait entre nous comme ça, pardonne-moi, ça jouait sur le Rigesh. Il dit, maintenant c'est fini, maintenant tout ça, c'est fini. Il dit, maintenant je ne dois pas laisser mon Rigesh t'écouter. Il y a une loi, il y a un mishpat, tu as transgressé la loi, tu dois être puni. En malasot. Il dit, mais t'es la hem ala. Il dit, assourli la hem. C'est pas que je veux pas. C'est qu'assourli la hem alecha. Si je suis merachem alecha, ouais, an yarzari à la malchut chez la mère. C'est jusqu'à arzari à la malchut à la mère en étant merachem alecha. Donc au contraire, je dois être arzari pour être merachem à la malchut. Comme c'est lui. Donc, bon, il voit qu'il n'y a rien à faire. Il a essayé, rien à faire. Et sa chance, c'est quoi? C'est pitom, par hasard, et pas de hasard, le roi, il arrive dans cet endroit. Et là, on raconte tout de suite au roi, bien sûr, tout le monde est fier. Il y a un jugement, c'est le jugement ici mis en place, brûlé, voilà, à la khalema, c'est, il y a eu un cas. Ah, ça m'intéresse, c'est quoi le cas? Comme ça, et comme ça, et comme ça, ce bonhomme, comme ça. Maintenant, le bonhomme, il a tenté sa chance. Il est allé voir le roi, carrément, il a demandé une entrevue chez le roi. Il est venu voir le roi d'un Meller. Je suis père de famille. Regarde ce qui m'est arrivé. Un jugement comme ça. Et le juge ne veut rien entendre. Il m'a dit qu'il faut être arzari. C'est comme ça marche. Vous voulez. Il dit, il a raison. Le roi lui dit, mais il a raison. S'il a rahman avec toi, il va être arzari avec le royaume. Pendant, il dit, oui, c'est vrai. Mais il faut me pardonner. Je ne recommencerai plus. Le roi, il n'a pas pu. Il a craqué. Il a touché au sentiment. Ouais. Il a dit, bon, je te pardonne. Le juge a entendu ça. Sans manquer de respect au roi. Ouais. Le juge lui a dit, écoutez bien, Vosamel. Deux choses, lui. Ouais. Ou bien vous revenez sur votre parole, ou bien je démissionne. Il dit quoi? Comment tu parles roi? Il dit pas joule, je peux plus travailler dans ces conditions. C'est à chaque fois que les gens vont savoir que quand il y a un problème, ils viennent vous voir, ouais, et que vous pardonnez, dis-moi c'est beau, je ne sers plus à rien ici. Je suis un postiche, comprenez? Donc je préfère démissionner et me chercher un autre boulot tranquille. Parce que là, je sens que je suis un clown et j'ai pas envie de devenir un clown. À la fin, je vais être la risée de tout le monde. Donc je préfère arrêter là. Voilà le machin. Ça c'est le machin. Maintenant, j'ai pas fini ma chaîne, excuse-moi. Maintenant, le roi, il répond là-bas, il donne une réponse. Il dit non, tu n'as rien à craindre, tu n'as pas besoin de démissionner, il n'y a aucune rigolade ici. Il dit quoi? Qu'est-ce que je vais expliquer? Tout simplement. Ces lois, elles sont là justement pour faire régner les lois du roi. Mais les lois du roi, quand c'est qu'on en a besoin? Quand le roi n'est pas là. Mais quand le roi, il est là, ben c'est le roi qui gère. C'est le roi qui décide. C'est la Malkout qui décide. Quand je ne suis pas là, il faut qu'il y ait des lois pour que l'ordre soit respecté, pour que la volonté du roi soit respectée, pour que l'honnêteté soit respectée. Mais quand moi je suis là, c'est moi qui décide. Alors, il a encore plus, il a dit, oui, vous avez raison. Donc, mais là, je décide qu'on la quitte. Voilà, comme s'il a fait le roi.
Ça, c'est le machal. Le nimshal, c'est la même chose. Toute la mitziout rabotaï du din n'existe que si le roi n'est pas là. C'est ce qui ressort de ce machal. Atsum, c'est un douche atsum. Jamais on a compris, on a pu entendre un concept pareil. C'est-à-dire que le din n'existe que si le roi n'est pas là. Si le roi est là, c'est un aga chez Rahami. Alors là, il a une alaga de Rahami. Tout le lien du roi, c'est quand le roi n'est pas là. Makavana, ça veut dire quoi le roi n'est pas là? Malé kola reske vodo. Msa bechol makom. En moussa kaze. Le roi Bassa Bardam, il n'est pas là. Ouais, lui, il peut ne pas être là. Parce que quand il est à la pêche, il n'est pas à Paris. Quand il est à Paris, il n'est pas à Marseille. Mais le roi, Kadosh Bourou, malé kola reske vodo. Il est là tout le temps. Tout le temps. 24 heures sur 24, fois 7, tout le temps là, et sans arrêt. Et partout. Partout, il est là. Il est dans la Pimbia, il est là-bas, il est à Marseille, il est à Paris, il est à Tokyo, il est tous les côtés. Donc, Mastomere, qu'est-ce que ça veut dire, le roi n'est pas là? Ça veut dire comme ça. C'est dans la naga du Ben Adam, Babotai. Quand l'homme, Chaz Veshalom, Babotai, fait abstraction d'Hachem. Fait abstraction d'Hachem, c'est-à-dire, on sait qu'il ou Aïn Shelemala le roi. Hachem ne voit pas. Et je ne tiens pas compte de cette mitzvah qu'Hachem voit, ou qu'il entend, ou qu'il remarque, et qu'il n'ashgara. Je fais ma vie, je fais minyanim. S'il n'y a pas la midat adin rabotai vis-à-vis d'un bonhomme pareil, qui fait fi complètement d'un fi, je sais pas ce que ça veut dire, mais... c'est bien, c'est fi. Voilà. Fi, il fait fi rabotai de quoi? De la mitzvah d'Hachem. C'est-à-dire, non mais rien du tout. Il a envie de filmer Shabbat, il filme Shabbat. Il fait tout le temps, il filme tout le temps. Il veut faire le lessan, il fait le lessan. Il veut regarder quelque chose qu'il ne faut pas regarder, il regarde. L'homme a un que Bolorlam il soit là ou pas là, l'homme a un autre. Ça, un homme comme ça, Rabotai, Hayav Rabotai, il est obligé d'être traité par la Midatadi. Il n'y a rien qui peut l'aider à celui-là, rien ne peut le traiter, il n'y a pas de Mitsiou d'Hachem. La Mitsiou d'Hachem n'existe pas. Donc la Midatadi doit s'occuper de lui. Quand Hachem il voit comment l'homme, Rabotai, Kaviachol, se remet en face de Bolorlam, se remet en face d'Hachem, il remet cette Mitsiou d'Hachem comme Mitsiou devant lui. Alam Akom Bolorlam, il dit, je suis présent, pas besoin de dire. C'est ça le chauffard. Chauffard Kaviachol, ouais, on le fait rapidement, parce que c'est un malheur compliqué, Rabotai, mais il faut le digérer rapidement, parce qu'on n'a pas le temps d'expliquer longtemps. C'est que le chauffard représente quoi? Représente chez l'homme, Rabotai. C'est un avodin, au niveau de soi-même, de remettre cette mitzvah Hachem devant moi comme une mitzvah Rabotai incontournable. Incontournable. Shiviti Hachem l'inigdi tamid. C'est une mitzvah incontournable. Comme la première, la fin, je suis en haut. Je m'assois dans ma maison, pas comme un homme qui est tout seul. Je dors, pas comme un homme qui dort tout seul. Je mange, pas comme un homme qui mange tout seul. Je vais aux toilettes, m'a-t-il, pas comme un homme qui est tout seul. Il y a constamment la présence d'Hachem devant moi. Et donc cette présence d'Hachem, Kaviachol, ouais, m'oblige à être en réglo, à être réglo avec Bola Olam. Ça, la mitzvah d'Hachem, quand elle est présente devant toi, pas comme nous on pourrait croire à Botaï que c'est oppressant. Pourquoi? Parce que tout de suite, on imagine tout de suite, c'est le din. Le din est devant moi. C'est genre l'épée Démoclès, chimiquement, je ne peux plus bouger. Je vais m'étouffer de cette manière. Non, contrairement à ce que tu crois, c'est la mitzvah d'Hachem, elle est devant toi, c'est Rachamim. Quand c'est que le din est nécessaire, quand justement la mitzvah d'Hachem est absente, quand tu l'as fait absente de toi, quand la mitzvah d'Hachem devient absente de toi, Azrak Midat Ad-Din, Azrak Midat Ad-Din peut gérer ta vie, peut arriver à te ramener à l'ordre, à te ramener au respect des lois et de la Torah. Mais sinon, Merhamim. Bon, alors là, il n'y a pas besoin de din. Il n'y a pas besoin de din quand toi, Inakhinami, tu mets cette mitzvah Hachem devant toi. Donc, contrairement à ce qu'on croirait, que de vivre dans l'esprit de Shiviti Hachem dit Tamid, ouais, amènerait l'homme Rabotai à croire qu'il va vivre dans une pression morale, une pression de cette mitzvah de la Malchut Hachem qui est constamment devant moi, et comme David Ameler, c'est lui qui a dit ça. Shiviti Hachem dit Tamid, j'ai l'Hachem devant moi constamment, Rabotai. Et que ça donne l'impression d'un lachatz. Dans la race, d'une pression, de pas pouvoir à Botaï vivre, comment dire, ma vie tranquillement. J'ai envie de vivre ma vie tranquillement. Bon, alors là, midi, sache une chose, mon fils. Quand tu veux vivre tranquillement et tu veux vivre seul, ouais, tu vis avec le din. Quand tu vis avec moi, tu vis avec la rachamim. Tu vis avec moi. On va à la piscine, oui, ensemble. Shirulo, zamerulo, chante. Amuse-toi, l'eau, avec lui. Je vais jouer à la pétanque, mais avec toi. Je vais à la piscine avec toi. C'est-à-dire, je vais là où tu peux être avec moi. Et si jamais je vais aller dans un endroit où toi, tu ne peux pas venir, eh ben je ne vais pas. Mais pourquoi je ne vais pas? Parce que je veux être avec toi. C'est le petit train. Et bon, alors, le petit, t'inquiète pas, mon fils. C'est pas parce que j'ai des endroits où je n'aime pas aller qu'il n'y en aura pas d'autres.
Il y a ce qu'il faut dans ce monde. Hachem, il a créé, Baruch Hachem, une paloupie bien garnie, rabotée de tout ce qui peut être des loisirs et des choses dans ce monde qui sont largement suffisants, rabotée, pour que tu puisses kiffer dans ce monde avec moi. Mais c'est ça la mitzvah d'Hachem. Et ça, Tkiat Shofar. Tkiat Shofar, rabotée, pashut, c'est de ramener l'homme, rabotée, ramener l'homme à cette nekuda-là. Ramener l'homme à cette nekuda qu'il a perdue. L'homme a perdu cette nekuda. L'homme a malheureusement tombe dans là où est tombé Adam Arishon. Adam Arishon, avant la faute, il vivait avec Bola Olam. Ayachaim Bola Olam, il entendait la voix d'Hachem de partout dans le Gan Eden. Ayachaim Bola Olam. Hachem lui a dit, tout est à toi. Aolam Shelcha, ne touche pas cet arbre-là. Ne touche pas de ce fruit de cet arbre-là. Bon, on connaît l'histoire, il est tombé, il a touché. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Après, il s'est caché. Il s'est caché, là, il a derrière un buisson comme ça, il s'est caché comme ça, c'est les soldats, il a mis des feuillages comme ça sur lui, comme ça, qu'on ne le voit pas, et donc il s'est caché. Dis-moi, tu es Hamad, tu te caches de qui? Si tu te caches de, je sais pas moi, de Jojo, ben, je comprends, hein, tu t'es bien caché. Mais c'est Bola Olam, là. Comment tu veux te cacher Bola Olam? Et Bola Olam, il rentre dans son jeu. Bizarre. Bon, il joue avec lui, miskin. Il joue avec lui en cache-cache. Ouais. Ayeka, où tu es? Adam, où tu es? Adam, où tu es? Il est content. Ça, c'est que les enfants, tu sais, quand tu sais avec ton fils. T'as vu ton fils, il a trouvé une cachette, tu sais où il est, tu le vois de loin. Tu fais ça, mais tu le vois pas. Ouah, il kiffe grave. Il kiffe grave. Où tu es? Ouah, je le vois pas, il est caché. Et tu veux exprès passer à côté de lui. Et tu vois, bah là, il kiffe. Ouah, là, c'est le feu. Là, genre, il est dans le suspense total. Là, Habibi, tu lui as fait, là, tu lui as fait 3 ans de loisirs. Là, il en a pris pour 3 ans. Pourquoi? Parce que il voit qu'il arrive à se cacher de toi. Bon, il a réussi. Bon, il a réussi. Parce que papa, c'est Superman. Tu vois. Si j'ai réussi, ça, waouh. C'est ce qu'il croit, Adam Arishon, c'est là-bas qu'il est. Il est dans ce machin que je suis en train de dire là ou quoi? Quoi, de quel écart il est teubé ou quoi? Il a pété un câble. Makara, matin, Mechabé. Je calme pour l'Olam. À la fin, il le repère, bien sûr. Il lui dit, Aïm, S. En plus, regardez comment. Tu as mangé du S à date. C'est comme le papa, par exemple, qui a attrapé le fils, qu'il ne fallait pas qu'il fasse quelque chose, et il ne dit pas, tu as fait. Il dit, tu n'as pas fait ça par hasard. Voilà, maintenant, c'est le Hamar qui va dire, non, ben, c'est pas moi. Bon, mais dans mes champs, il n'est pas si stupide que ça, parce que moi, ça suffit, calme-moi. Il s'amuse avec toi un petit peu, il t'a cherché, il a trouvé, maintenant, on va aller crash. Qu'est-ce qu'il fait? Et rien ce qu'il dit, ça, dessous. Là, il reconnaît, là, il a mis, il dit Aïcha. Il jette sur la femme la faute. Il jette sur la femme la faute, il roule. Maintenant. Il lui dit à Kadosh Baruch Hu, dans le texte là-bas, un mot bizarre, il dit là-bas, Rabé, je veux me cacher. Il dit, Hachem, je veux pouvoir me cacher de toi. C'est-à-dire, je veux pas vivre sans qu'il soit impossible de me cacher de toi. Je veux pas chiviter Hachem des Tamis, je veux pas ça. On peut avoir ça avec toi, Hachem. On peut faire un deal ensemble, tu dois un accord, un protocole d'accord, ouais. Je peux vivre avec l'idée de pouvoir me cacher. C'est-à-dire que je suis bechadel et chadarim maintenant, chez moi à la maison. Et me donner l'impression que je peux faire une avera. Et que j'ai pas comment dire, la frustration et le stress de dire, mais Hachem, tu regardes. Voilà, je veux pas ça. Je veux me libérer de ça. Et chabé. C'est ça la nekuda en bouteille. Alors Hachem me dit, oui, tu peux, parce que tu as la bichira. La bichira te donne cette option. C'est tsoum, hein. La Biria donne l'option à l'homme d'être mitoum-tam, de dire Hachem ne me voit pas. Et l'homme, il a cette force de faire ça. La baya, c'est quoi? C'est que quand tu fais ça, à ta chaim et bidat ad-din, tu te mets dans le din. C'est ce que tu appelles surtout. Ben, tu es dans le din parce que, Rabibi, moi, je suis censé ne pas savoir ce que tu fais, parce que c'est les règles du jeu, donc je m'écarte. Mais la bidat ad-din, elle s'occupe de toi parce qu'il faut bien qu'il y ait un filet. C'est quand tu fais triple supérieur, Rabibi, de 50 mètres, s'il n'y a pas un filet en bas, tu peux. Il a loupé le tout parce que c'est dans le trapèze, là, je ne sais pas si vous connaissez dans les cirques. Alors il doit lui prendre la main là. Maintenant, lui, il a juste un coup de fil à ce moment-là. Donc le temps de répondre, picto-seconde, il est arrivé un picto-seconde trop tard. C'est qu'il n'a pas pu lui prendre la main pour le récupérer. Et donc, il est tombé en bas, il n'y a pas de filet. C'est devenu Habibi de la purée de pommes de terre. Bon, alors là, il faut qu'il mette quelque chose. C'est quoi? C'est le din, rabotai. Donc le din est nécessaire. Quand c'est que le din n'est pas nécessaire? Quand j'ai invité Hachim Tamil, il croyait me trabo, là, je suis avec toi. J'ai rien à te cacher. J'ai rien à te cacher. Tout ce qu'il y a à dire, tout ce qui va pas, je veux l'entendre. Je suis prêt à tout. Je suis prêt à tout Khejbon Anefesh. Je suis prêt à toute confrontation. Et Nishumbaya. Voilà le Matsav Bari que Borolam veut qu'on ait avec lui.
C'est ma simple mari. Maintenant, tu vas dire, mais comment je fais alors quand je comprends pas ce qu'il veut ou que je suis pas contre? Ben, parle avec lui. D'Aberito. Comme dans un couple. On parle. On vit avec Boulor Lam. Chayim ito rabotai. C'est chayout. C'est pas un système. C'est pas, comment dire, comme je dirais, on fait une bracha pour ça. On fait comme simplement des trucs qui évêchiment comme ça. Sans rapport. C'est humain. C'est un rapport tout ça, rabotai. Vezé machin arnou srikim lazot. Je vais vous amener une histoire qui va normalement bien illustrer ce que je vais vous faire comprendre. C'est pas chose que je vous transmets là, mais il faut bien le comprendre. Vous allez comprendre comment ça marche. Une histoire qui s'est passée avec Rav Steinman. Ici pour Chayim Rav Steinman. Aya Adam, qui habitait à Bnei Brak, un bonhomme qui était à Bnei Brak, un Ben Torah, un Tamid Chacham, et là, allez nous, un fils dans sa maison, Pashut Rabotai, Nachar. C'est ce que c'est Nochrim. Il a déraillé le pauvre. Ça arrive, malheureusement, dans les meilleures familles. Ça arrive. La charme est grave. Genre, parti vraiment très long. Le Mahal Shabbat, Taref, les filles, les Hebel, 400 coups, c'est-à-dire genre, ça y est, plus rien. Il n'y a plus rien, puis ton là, plus rien du tout. Mais le papa, quand on voit aussi une Mahalatsuma en bouteille, a toujours voulu qu'il reste à la maison. Il n'est pas question que je le renvoie de ma maison. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il ait un rapport, il faut qu'il y ait un lien. C'est ce lien qui va le sauver. Si je le lâche, mais c'est fini, ça va. Lui va le prendre. Il va te l'amener à Tel Aviv, là-bas, comment dire, pas Tel Aviv Nord, Tel Aviv Sud, là, il y a tous les blacks là-bas. Dans la savane, quoi. Dans la savane, là-bas. Et là-bas, il va lui demander d'apprendre, et lui ouvrir les yeux des choses que même pas en rêve, il croit que ça peut exister. Et après, va le récupérer après. Après, c'est fini. Après, c'est un produit de la savane. Il va récupérer comme ça. C'est devenu un singe. Un singe, le ramener d'un dame, c'est compliqué. Donc, il a gardé à la maison. Mais, ce n'était pas facile en Bretagne. Très dur, très dur. Pourquoi c'était très dur? Parce que Shabbat, il fumait. Il fumait Shabbat. En plein Shabbat, comme ça. Le père, la mère, les enfants, ils sont en plein Shabbat, avec les chants du Shabbat. Avec la kedusha, la sainteté. On n'est que Shabbat, tous habillés comme il faut. Et lui, il peut. Moi, il m'alboureux comme ça. Il attend qu'il finisse. Il est en train de chanter Shalom Aleichem. Il se met sur le sabbat là-bas. Il fume son garrot. Il attend qu'il finisse. On se met à table. On lui dit rien. Il dit rien. Il fait sa vie. Et ils font leur vie. Voilà. Comme ça se passait. Et Atsum, c'est quelle force il faut pour un père. Pour un père, il faut que vous soyez père pour comprendre ce que ça veut dire. Quelle force il faut en bouteille de Erech HaPaim, qui est délirante d'avoir casé, voir ça en bouteille et ne rien dire. Et tout ça pourquoi? Pour lui sauver la vie. Pour chercher l'opportunité à un moment donné de le récupérer. On est prêt à tout. Un jour, le père lui dit, regarde, mon fils, je vais aller prendre une bracha chez Rav Steinman, tu veux venir? Comme c'est du genre. Qu'est-ce qu'il a pris de lui demander ça? Lui-même, il ne sait pas. Pourquoi? Il n'y a aucune avamina. Aucune avamina qui va dire je vais chez Rav Steinman, qu'est-ce que tu veux que j'aille faire là-bas? Tu me dis on va prendre une ça de Bob Dylan, pas de problème, je viens tout de suite. Il va au moins m'apprendre à faire de la musique. Mais lui, un Rav Steinman, un Shibani comme ça, il pèse 20 kilos, qu'est-ce que je vais faire avec lui? Mania, c'est tout. Il avait quoi? Il va me donner une nouvelle marque de cigarette ou là? Et à sa grande surprise au père, mais incroyable et vrai, il dit oui, je viens avec toi. Pfff, je t'emmène chez moi, ça je garde pas le dire, c'est pas possible. C'est pas moi, quoi. C'est pas moi qui a fait ce mal-là, je serais incapable de le faire. D'avoir même une avamina, lui dire de venir. Et là, c'est Borolam qui est en train de faire quelque chose ici. Bon, on va voir. Il va chez Rav Steinman, il rentre chez Rav Steinman. Et Rav Steinman, à la Makom, il s'adresse au garçon, il lui dit, Kama Pamim, Mimataï Nacharta, quand tu es tombé, il a dit. Alors il dit, bon, ça fait 10 ans en arrière. Il dit, ben, mes chers et sœurs Chanim, pendant ces 10 ans, combien de fois tu as eu envie de faire tchouva? Il dit 4 fois. 4 fois dans ses 10 ans. Le père, il ne sait même pas tout ça. Il découvre. Et il parlait avec Rav Steinman, il lui pose des questions. Il répond 4 fois. Il dit, combien chaque fois a duré? 10 minutes. 4 fois 10 minutes, 40 minutes. Rav Steinman, il fait comme ça. Rav Steinman dit, je ne suis pas à ton niveau. Et Foshe Omed Baal Shuvat Sadiking Moulou Yochim Labot. Il dit, tu as trop d'avance sur moi. Donc c'est lui. Attention, Rav Steinman, il faut savoir une chose. Hein.
Alors justement, c'est pas un Sfaradi, c'est pas un Frank. C'est pas un Sfaradi qui fait... Ouais. Nous, on est comme ça. Hein, ouais. Ça dit... Bon, je t'entends, viens. Je peux pas le piffrer, mais moi, je suis obligé de faire ça pour l'Amadou. Alors justement, c'est le Shkenza. C'est le pôle Nord, c'est l'iceberg, tu vois. Ce qui est émet, il le dit. Ce qui n'est pas émet, il le dit pas. Ce qu'il pense, il dit. Ce qu'il pense pas, il dit pas. Il n'y a pas de dépassement, il n'y a pas d'excès de vitesse, il n'y a pas de ralentissement, il n'y a pas. Donc s'il lui dit ça, c'est pshuto kemashmao. S'il lui dit, tiens, de l'avance sur moi, et là où tu es, je ne suis pas, c'est que c'est émettre la amita, pshuto kemashmao. Alors voilà, le bonhomme, le garçon, il avait l'air de comprendre. Bizarre, le père, il devenait fou, le père. Le père, il connaît Rav Shlaima, donc il savait que c'est aimer ce qu'il lui dit. Mais lui-même ne comprenait pas. Qu'est-ce qu'il veut lui dire avec ça? Mais l'enfant, comme si il comprenait. Et de lui avoir dit ça, Rabotai, de lui avoir dit ça, l'enfant a commencé à changer. Il est athlète, Atché Khazar Latzmo, jusqu'à qu'il est revenu à lui-même. Voilà, une visite à l'Oden, il est revenu à lui-même. Impressionnant. Qui aurait cru une chose pareille? Un bonhomme chez Nacha, il fume Shabbat, Mechal Shabbat, Befalesia, devant le père, la mère, en train de chanter Shalom Alechem ou Malarim, et lui, avec le galon, en train de faire le piton Maktoret. Oui, comme ça. Le matin, qu'est-ce qu'il est en train de faire ici? L'homme Jalais, il n'est pas là-bas, il était perdu à l'Oden. Et Khazar, les gamins, il est revenu. Il est revenu comme l'image de ce garçon qui correspondait à cette famille, Rabotai. Khazar, Latzmo. Et là, le père, à un moment donné, il en profite, il vient à son fils, il lui dit, il a attendu tout ça, le père, hein, pour lui poser cette question que je vais lui poser, je vais vous dire maintenant. Son père lui dit, mon fils, regarde, j'ai une question que je retiens depuis longtemps, je n'ai pas voulu te la poser. Je t'ai laissé faire ta vie. Parce qu'il savait que c'était fragile, il ne faut pas toucher. Laisse faire. Laisse-le faire son malard. Et lui, il comprend, moi je ne comprends pas, c'est une histoire sans parole. Je ne sais pas ce qu'il a dans la tête de ce qu'il y a dit Rav Steinman, comme il a décodé ça, ma remé, l'homme est bien, je laisse faire. Et bon, Hachem Khazar. Maintenant, au moment qu'il a vu que ça y est, maintenant il est solide, lui à ce moment-là, il demande à son fils, il dit, Tahili, ma lecha Rav Steinman, qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'est-ce qu'il t'a dit qui t'a ramené comme ça? Combien de fois je t'ai parlé? Combien de fois on t'a parlé, moi et ta mère? Combien de fois on a dit avec toi? Combien de fois on a amené des métaplimes, des gens qui sont experts pour savoir comment on parle avec des gens comme toi, avec des borlas comme toi? Combien j'ai amené des gens et des bakris? Chambre d'abord, rien à aider. Qu'est-ce qu'il a dit, Rav Steinman? Rien du tout. Combien de fois, tu vois? Combien de fois? 4 fois. Combien? 10 minutes. 40 minutes, j'ai oublié avant moi. Voilà. Voilà la conversation. Et le bonhomme, il a fait un zbeng dans la tête. Boum! Explosion atomique. Et il est revenu au duré. Il est flambeau. Alors la chaîne, Makara, il lui demande. Il dit, papa, je vais te raconter Makara. Il dit, je sais pour. Tiens, je sais pour. Il dit que Shaiti Katan Betalmud Torah, comme ça il raconte. Le rabbi du Talmud Torah a décidé de nous amener tous chez Rav Steinman. Il raconte que quand il était petit, il est arrivé chez Rav Steinman. Et Rav Steinman, on l'a prévenu, bien sûr. Le directeur de Talmud Torah, il a prévu Rav Steinman. Vodarav. Je vous supplie, ils sont petits, ils sont jeunes. Il faut absolument qu'ils sortent d'ici avec du khéchek, avec, comment dire, du bitachon asmi, avec l'amour de la Torah. Voilà, je vais vous expliquer ce qu'ils utilisent en ce moment. Posez-leur des questions très simples, pas compliquées, Rav Steinman. Je sais que vous êtes un gaon et vous pouvez les rendre fous, mais ce n'est pas le but. Le but, c'est qu'ils aient l'impression qu'ils ont réussi à répondre aux questions de Rav Steinman. Comme quand tu réussis à répondre à une question de Rabbi Akiva Egel. Waouh, bon, c'est un bitachon asmi. Je suis Superman, je vole dans l'air. Là. Alors, je veux savoir si ta réponse est dure. Il a une avamine, il a répondu Rabbi Akiva Egel. Il y avait Sahri Youn, il allait tomber malade Rabbi Akiva Egel de chaque Sahri Youn, et la Hol est en train de dire qu'il a répondu à la question de Rabbi Akiva Egel. Bon. L'espoir fait vivre. Ça va. En attendant, ils sont arrivés. Et Rav Steinman, il a commencé à prendre les élèves par les élèves, comme ça, ils avaient tous les enfants autour de lui comme ça. Il lui assis comme ça, Rav Steinman. Shoel Shelot. Il met le doigt sur le bonhomme. Tac, tac, tac. Il dit des questions simples. Chacun répondait. Il dit, jusqu'à qu'il est arrivé mon tour, il m'a désigné à moi. Il m'a posé une question très simple, je n'ai pas su répondre. Il a essayé une deuxième fois, il dit, viens, on essaie une autre question. Il a fait encore plus simple. Je n'ai pas su répondre. Il dit, viens, on essaie une troisième fois. Il a fait encore plus simple. Il n'a pas réussi à répondre. Il s'est avéré à la fin que quoi? Que tous les enfants du Talmud Torah ont su répondre à toutes les questions, sauf lui. Sauf lui. Comme ça, il
Et donc Rav Steinman, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à distribuer, au fur et à mesure qu'il posait des questions et qu'il répondait, il donnait un bonbon à celui qui répondait. Donc ils ont tous eu un bonbon, sauf lui. Il n'a pas eu de bonbon. Maintenant, le prof, il était très mal. Très mal parce qu'il dit, bon, comment il va sortir d'ici celui-là? Il va sortir son bonbon. C'est des enfants. Il voit le fiasco total devant lui, chez Mishmo. Rav Steinman, il appelle l'enfant. Il dit, viens ici, mon fils. Là, écoutez bien le malach, là, parce que c'est là la nikouda que je vais expliquer. Tout ce que je lui ai fait avant, c'est le blabla. Maintenant, c'est le malach. Il appelle l'enfant. Il dit, viens ici. Il dit, je t'ai posé 3 questions, et tu n'as pas su répondre. Avant, ayesod hu, shakosh buhu rabotai meshalem ala hamal, velo la totsaot. Comme c'est dit. Bon, l'on lui donne le salaire sur le hamal et pas sur le totsaot. Ata hamalta shalosh pa'amim. Tu as été hamel 3 fois. Eux, ils ont répondu une fois. Il te revient 3 bonbons. Et comme ça, il a donné 3 bonbons. C'est un Steinman. Maintenant, regardez bien. Il dit, monsieur, t'es trop content, etc. Il est parti. Il a mis un message dans la tête, le Hamal. Parce que Hamal, le pauvre, il essaie de répondre. Il n'arrive pas. Il essaie, il n'arrive pas. Mais soit, tchik-tchak, chlok. À chaque fois, il reçoit un bonbon. Impeccable, en bouteille. Maintenant, la question qu'il y a dans ce sipour, c'est le suivant. Et qu'après, j'ai eu la réponse. La question, elle est comme ça. Pourquoi Rav Steinman a attendu que tout le monde passe après que lui n'a pas su répondre? Parce que du Sipour là-bas, j'ai compris qu'il est passé parmi les premiers, si ce n'est pas le premier. Donc il a fallu qu'il attende à Botaï 40 enfants qui passent. Il y avait 40 enfants là-bas qui passent pour que Rav Steinman réagisse envers lui et l'appelle et lui dit « Viens recevoir 3 bonbons pour le ramal que tu as fait. » Imaginez-vous à Botaï. Et c'est Inou Yadin, Yishpo. Vous savez ce que c'est Inou Yadin? Inou Yadin, c'est l'attente du din. Il y a un din, je ne sais pas ce que ça veut dire, je ne sais pas ce qu'ils veulent là maintenant. Je suis coupable, je ne suis pas coupable, on va couper la tête, pas couper la tête, dis-moi. On dit là-bas, le Inou Yadin est tellement dur à supporter qu'on préfère de loin que tu me dis coupable et on coupe la tête plutôt que de rester comme ça qu'à Safek. À Safek, on reste Adam, Shem Alahem en Bretagne. Pourquoi il a fait ça, Rav Steinman? Tout de suite, prends-le, levez 3 fois, Hamal, voilà, 3 bonbons. Allez, et on continue. Et je vais répondre, roulez. Ma inyan, ma shikul shi Rav Steinman. Regardez bien. Rav Steinman, Rabotai, est noeg, comme bol olam, il est noeg. Comme bol olam. Yesh din, viesh lifni mishurat adin. Yesh din, viesh rachamim. Le din, Rabotai, est tu réussis, tu gagnes. Tu réussis pas, tu perds. Tu réponds, tu as une récompense. Tu réponds pas, tu n'as pas de récompense. Ça, c'est le din, Rabotai. C'est le din. Mazé Rahamim. Rahamim, Rabotai, c'est quand maintenant, effectivement, on est comment dire, ma'amik dans le din, berachamim, où on rentre maintenant dans le fim, Mishwata din, et que maintenant, on sort les ma'asés, pas comme nous, on a compris, parce que nous, le chat tordu qu'on a dans la tête, c'est quoi? C'est que Rahamim, c'est Ivut Adin. Comme ça, nous, on croit. Rahamim, c'est Ivut Adin. Il y a le din. C'est quoi? C'est blanc. Et la hamim, c'est ben noir ou gris. Mais ça, il vous t'a dit. Ça veut dire que tu tords le djinn. Le djinn veut comme ça, qu'il est coupable. Pourquoi tu dis innocent? Et là, parce que tu es malahem, parce que tu as pitié. Parce que... Mais c'est pas le djinn, ça. Non, Rabotai. La hamim, c'est pas il vous t'a dit. La hamim, Rabotai, c'est ce qu'on appelle Omek Badim. Ma'amik Badim, Rabotai. Il trouve là-bas une achinami, le ma'alar, la hamim, de comprendre, Rabotai, comment elle pit din et ma'asim a guillé à l'échange de Marazé. Non, Rabayon. Comment ça marche, Rabotai? Ce qu'il lui explique Rav Steinman. Rav Steinman, il lui explique à Botaï, après que tout a été terminé, après que les enfants ils ont vu comment les Mahas et chacun a reçu son bonbon, et que maintenant, chacun il se demande, mais qu'est-ce qui va se passer avec celui-là? Ma Corée, ma Ben Adamazé. Et qu'Hachem, maintenant, il te montre, maintenant, je te montre ce que c'est quoi la Hamim. La Hamim, c'est quoi? Hachem et Shalem, al Hamal, velo, al Totsaot. Le Din, c'est la Totsaot. Le Hamim, c'est le Hamal, si vous avez compris le Yesod. Et c'est comme ça, faites un binyanav de ça pour tout dans la vie. Pour tout dans la vie. Donc tout dans la vie, Rabota, il y a la Nikouda Ikarit qui est le din, tel que la chose doit se faire alpidine, c'est-à-dire d'une manière logique, rationnelle, où il y a cause à effet. Il y a la chose, l'Aishtadout, et le résultat, et la récompense. Et s'il n'y a pas tout ça, ben ça ne marche pas. Il y a les flemmes, ils jouent à la tadine. C'est quoi? On dit Shalem ala Hamal. Et ça, faites un binyana pour ça, pour tout dans la vie. Qu'il y a la réaction de l'homme. Tu as fauté, mais je veux voir ta réaction. Tu as fait une erreur, mais je veux voir comment tu te comportes. Tu as fait ça, mais je veux voir maintenant comment tu réagis par rapport à ça.
C'est un tsoum, en fait. Le djinn, c'est... Tu as fauté. Coupable. Hayal. Plak. Il m'a tachay b'ester imbola olam kaviachol. Le djinn sera impitoyable avec toi. Oui, il redoffe autre. Pourquoi? Parce que t'as mis t'allem imbola olam. Donc tu ne laisses pas le l'ifni mishurat ta-din t'atteindre. Donc mimela. Malgré toi, tu vas te faire éclater. On va te couper la tête. Pourquoi? Parce que tu... Kaviachol, tu zigzags avec Bola Olam, tu joues avec lui. Alors que si jamais, effectivement, tu dis, mais Bola Olam, c'est mon père, il n'y a pas de raison pourquoi je vais me cacher de lui. Alors je vais expliquer à mon père, je dis, ah ben, Nilachon, j'arrive pas, mais je suis ton fils. Moi, je vais arriver à quelque chose quand même. C'est pas normal que je sois pas, comment dire, moi aussi, comment dire, concerné par ce Olam que tu as créé, par ces belles choses. Et là, une archélamie, quand l'homme à Bota, il arrive à. Entre guillemets, Kaviachol, se réconcilier avec Bola Olam. C'est une réconciliation, tout ça, en Bouteille. C'est ça la notion de Tchouva. La notion de Tchouva, c'est une réconciliation avec Hachem. On a compris que quoi? Que Hachem, en Bouteille, il y a le din, il y a le l'ifni mishurat ha-din. Alors, tant que le bonhomme, il est dans un din, où là-bas, effectivement, il est obligé de jouer à cache-cache, parce que le din est nakhinami, le cherche, le poursuit, au dé photo. Il joue à cache-cache pour ne pas se rattraper par le din, Rabotaille. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? J'ai fait une avera, alors j'ai donné la zaka, tassil mimavet. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? J'ai fait ça, je fais un tikkun. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je fais un pigeon des fèches. Qu'est-ce qu'on fait là maintenant? On fait comme ça, et avec ça on va régler ça, et avec ça on va régler ça. Tu joues à zigzag. Tu essaies en vérité de te faufiler de là. Mais tu restes dans la mitatadine. Donc, Mimena, la mitatadine ne pourra pas te faire de cadeau. Alors que si, maintenant, une akhinami, je sors du chauffard et maintenant je te réveille. Je te réveille avec le chauffard, comme dit le Rambam, c'est une vraie autre. Mais au derrotra de quoi? De comprendre conscience de la Khamim qui est avec Hachem. C'est-à-dire, je me réconcilie avec lui. Et à ce moment-là, Bola Olam, il va te montrer effectivement comment les marasser. Même là où tu es, même là où tu es, où a priori tu n'es pas en accord avec le djinn, tu n'es pas en accord avec tout ça. Ken, Yesh Rachamim. Et je vais te montrer comment. Comme cet enfant, Rabotai. Alpidin, l'omagia, le hachum, soukaria. Rien ne te revient, Alpidin. Alpidin, on peut même te blâmer. Te dire, tiens, Hmar. Voilà. Ils sont tous bien, et toi, tu es le Hmar de la classe. Et les Chaura, tu vas sortir de la classe comme ça. Tu vas sortir de Rostenman avec cette idée dans ta tête de dire quoi? Je suis le bourrico de la classe. Elle m'en la saute. Et les enfants, c'est cruel, ils te le diront même. Ou ils ne te le diront pas, mais c'est très possible qu'ils te le disent. Ils vont parler entre eux. Les enfants, ils sont cruels. Je sais pas, ils vont aller le bourrico de la classe. Et Rostenman, il te montre maintenant, quand tu te réconcilies avec Hachem, et tu dis Hachem ou Tov. Et d'en voir que Hachem puisse me faire du mal. Même si Nachinami, je me suis loupé. Même si Nachinami, je n'ai pas fait ce qu'il fallait faire. Même si je ne suis pas en règle totalement avec lui. Mais je suis son fils. Zabin chez lui. Bon, alors là, il me dit, Zenachon, ma shtaromer. Mais à ce moment-là, ce n'est pas un stam, Rabota. La conciliation d'Hachem, ce n'est pas du vitour. Ce n'est pas un Hachem évater. Rien d'en voir casé. C'est pour ça qu'il faut faire tchouva. Parce que sinon, c'est du vitour. Parce que si tu veux une réconciliation sans tchouva, c'est vitour. La Gemara a dit, Michel Omer, chaque jour, va tran, mais va trim dans la chaim chez l'autre. Hachem, il est dans le cas, il va tirer dans la chaim, c'est le chavé koulouche. C'est pas un chachem, c'est du céder, Rabota. C'est pas Efker. Mais la chaim, c'est du céder, c'est pas Efker. On se réconcilie avec lui, ça veut dire tchouvin. Et tchouvin veut dire quoi? Ça y est, je me réconcilie avec toi. Mais maintenant, quand je me réconcilie avec toi, je sais que je vois rien, je suis un tonka, je suis le hamar de la classe. Bon, alors là, main, il te dit, je vais t'expliquer maintenant. Le Omek a dit. C'est-à-dire le sera que je peux te donner une achinami dans la voda telle que tu l'as fait. Telle que tu l'as fait. C'est ce qu'il voulait quand je pourrais de Adam Arishon. Hachem, qu'est-ce qu'il voulait de Adam Arishon quand il lui dit Ayeka? Il voulait de Adam Arishon raboter une réaction immédiate qui était de quoi? J'ai fauté Hachem. J'ai mangé du fruit interdit. Tu m'as interdit de manger. Je suis un imbécile. Je suis un idiot. J'ai voulu te contourner. J'ai voulu croire que je pouvais faire quelque chose contre toi. Anim Staer, Anim Vakeshlira. Il aurait dit ça, ça y est, le Olam était mis tout calme, ma chérie, il s'est arrivé, uniquement c'est beau. Mais non, il s'est caché, qu'est-ce qu'il a dit? Je veux pouvoir me cacher de toi. C'est-à-dire, je veux pouvoir me cacher de toi. C'est-à-dire quoi? Ne pas faire tchouva, continuer mes salades, oui, et pouvoir m'arranger avec toi, en trouvant un équilibre là-dedans, en me cachant de toi, Rabotai. De cette manière-là, Bola Olam, il disait, Haval. Parce que de cette manière-là, il n'y a qu'une anaga qui pourra gérer ta vie. C'est le din. Et toi, tu appelles le din quand tu fais ça. Donc, c'est-à-dire que l'intérêt qu'on a à Rabotai, c'est ça, Rosh Hashanah, c'est d'arriver à se réconcilier avec Hachem. Cette réconciliation, elle se passe au moment de Kliya Shofar. Chacun, Rabotai, doit être concentré à ce moment-là. Ça va très vite, c'est très court, très katsar. Tu concentres à ce moment-là.
que là, c'est le moment de réconciliation avec toi. Hachem peut maintenant, pour toi, la mort qui s'est dit, la chevel qui s'est rachamim. Et là, ta vie, elle a changé. Ta vie, elle change. Mais alors, ah bébé, 380 degrés, c'est... tu passes à autre chose. Autre chose, les gars, mais c'est plus du tout ce que tu pouvais connaître quand même. Tu t'es réconcilié. Tu as fait tchouva, tu préfères tchouva, tu reconnais. Tu as mesquim, tu as modé à la émette. Tu as modé à la émette. J'attends que tu as. Tu n'es pas blanc-bleu. Il y a des problèmes. Mais je ne les cache pas. Je suis aimé. Je suis Hachem. Animodé. Je ne demande qu'une chose, Bolorola. Mais aide-moi. Aide-moi à sortir de ce trou. Aide-moi à trouver la route. Aide-moi à savoir par où je dois passer. Bolorola me dit ça y est. On s'est réconciliés tous les deux. C'est comme ça. La main, à l'hypo. Quand je suis là, il n'y a pas besoin de dîner. C'est moi qui décide. Et là, Hachem mochel lo ala vono tchelo, lo an, sa tsoum a boutaï. Mais ce n'est pas un vitour. Ce n'est pas une michila stam, comme ça Hachem, par pitié, il est mochel. Non. Parce que tu t'es réellement réconcilié avec Hachem. C'est-à-dire que tu as reconnu que tu as fait une erreur. L'erreur est humaine. On est des benadam a boutaï. On n'est pas des malachim. On n'est pas des malachim qu'on est équipé à boutaï d'appareils sophistiqués de la NASA, qu'on ne fait pas de faute. Non, on est des benadam. C'est pour ça qu'Hachem l'a créé la tchou avant de créer le monde. En sachant quoi? Tiens, benadam, aval todé. Arrête de jouer, arrête de faufiler, à faire des zigzags. Tordé, on peut t'aider, viens parler, viens te mettre devant le bonhomme. Mets-toi à nu devant lui, t'es ta mère, ta guide. Et alors? Et alors qu'est-ce qui va se passer? Le bonhomme, essaye, s'est réconcilié avec toi. Pourquoi est-ce que c'est? Tu es aimé, tu es transparent avec moi. Je peux faire qu'une chose avec toi maintenant. Qu'une chose. Quoi? T'aider. Te punir? Mais jamais la vie, tu t'es réconcilié, comment je peux te punir? Attends, mal, il va cacher Ezra. Tu viens me tendre la main. On peut punir un bonhomme qui tend la main à votre arène de recaser. C'est ça la mission d'Hachem au monde qui a chauffé. Hachem, rien nous écoute.